a vu qu'il y a plusieurs personnes qui étaient à risque à cause de ce virus, que ce soit des personnes âgées ou seules ou ben touchées par le virus. Après, on a vu aussi que plusieurs autres jeunesses s'y mettaient. Alors on a décidé de porter notre aide à cette population. Et puis du coup on a créé un flyer pour que tout le monde soit au courant. On a mis sur les réseaux sociaux. Et puis on a de plus en plus de monde qui nous appelle, que ce soit des personnes âgées ou plutôt jeunes mais qui sont touchées par le virus ou qui sont moins en bonne santé. Avec le RIS, on reçoit les téléphones, on a mis nos deux numéros de téléphone, mais après on s'organise, on met sur le groupe de la jeunesse qui est disponible et puis on s'organise entre nous qui fait quoi. Puis pour les repas, on essaye quand même de faire d'une semaine à l'autre, on programme qui fait quel jour, comme ça. Ça, on sait que c'est fixe. Celle du jour. Ça va? Du 400 g de fromage. Il m'a mis champ sec ou l'ourtier ou étier. Et une salade verte. Merci. Alors pour les paiements, pour les personnes âgées, où on avance nous l'argent, où ils nous font confiance, ils nous donnent leur porte-monnaie. Puis chez les personnes un peu plus jeunes, souvent c'est par Twint. C'est sympa parce qu'on connaît déjà pas mal les personnes âgées, parce qu'à Noël on fait la tournée des personnes qui ont plus de 65 ans. Et puis du coup ils nous connaissent aussi déjà, puis ils savent qu'on peut se faire confiance. Alors l'initiative elle est partie qu'on a posté un message sur le Facebook des deux jeunesses en proposant de faire les commissions pour les personnes qui sont confinées, qui sont à risque. Suite à ça, on a fait un flyer en tout ménage pour toucher le plus possible de personnes. Certainement que toutes ces personnes ne sont pas connectées. Et puis, on a laissé nos numéros de téléphone, donc ils nous contactent, on prend leur liste de courses, on va faire les courses. Aujourd'hui, on est au Folg à Orcières, et on va aller livrer ça à la personne qui nous a téléphoné. Je me suis retrouvé avec du temps disponible avec mes études qui sont un peu suspendues et qui se réalisent à distance. Et puis avec la jeunesse, on s'est dit que c'était une bonne opportunité de rendre service à la population. Nous, on est en pleine forme, en bonne santé. Donc si on peut rendre ce service à la population, c'est avec plaisir. Ouais. Salut. Ça va? Bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a des petits garçons, des petits enfants de la commune qui font des dessins aussi, qu'on met dans les sacs à commission pour les personnes. Trop sympa. Je laisse dedans. Eh ben c'est gentil. Ils sont sympas ces jeunes, hein. Super. Merci bien. Ouais, ils sont gentils alors, c'est formidable. La levure, il n'y avait plus la levure sèche. Ben ça va bien. J'ai pris le petit cube comme ça, t'as quand même quelque chose. Super. Parfait. Super bien, merci. Alors,